Alors les amis, comment ça va? J'espère que ça va très bien, moi je vais très bien. On est là, dans un bel endroit, et qu'est-ce que je fais? Au fait, nous sommes partis quelque part ici pour prendre un verre. Et bizarrement, tout le monde était en train de courir disant qu'il y avait une bombe. Ouais, une bombe. Une bombe, bouf. Voilà pourquoi on a changé de direction. Ah, je savais pas que ces histoires arrivaient aussi chez nous, c'est quand même bizarre. Aujourd'hui, j'avais un message très rapide à nous passer. Je sais qu'on parle très souvent de beaucoup de choses. Si vous êtes une femme, il faut comprendre la réalité du monde. Malheureusement, autant on veut être égaux ou égal, si vous préférez, la longévité vitale et esthétique de l'homme et la femme ne sont pas égales. D'accord ? Une femme est excellente, pétillante, pimpante, pendant un temps bien précis. Elle n'a pas nécessairement les mêmes histoires, la même calibration que l'homme. C'est-à-dire, en d'autres termes, en termes très faciles, une femme à 45 ans n'a pas les mêmes opportunités de vie, de mariage, de société comme l'homme. Ce n'est pas agréable, ce n'est pas bien entendre, mais c'est la vérité. Est-ce qu'ils sont ouverts ici? C'est ouais, ça la vérité. Donc, à un moment donné de la vie de la femme, quand elle est à la fleur de l'âge, ou un peu plus que ça, à un moment donné, elle reçoit l'attention possible. Il y a des gens intéressants ici, hein? Robert, tu vois ça? Donc voilà, vous voyez la femme comme celle-là, hein? Là, comme celle que vous voyez là-dedans. Tu vous vois? Elles sont intéressantes. Il faut parquer là. Elles sont intéressantes pendant un temps, jusqu'à un moment donné. Dix ans plus tard, les gens ne seront pas nécessairement intéressés comme ils sont peut-être intéressés aujourd'hui. Les gens seront très intéressés à un certain moment de votre vie. Si vous êtes une femme et que vous avez déjà dépassé ce stade, vous savez le moment de votre vie où le gens venait le plus, hein, pour vous draguer, pour comment dire, pour vous approcher, espérant avoir une histoire avec vous. Malheureusement, il arrive un moment que ça ne se passe plus. Les gens ne viennent plus. Les gens ne sont plus intéressés. Les gens ne sont plus nécessairement intéressés. Enfin, il y aura peut-être des gens, je ne sais pas moi, deux ou trois à la place de 10 ou 15. On peut sortir. Donc, il faut faire très attention. Quand vous avez le temps, vous avez l'opportunité de vous faire une vie, il y a des hommes qui vous courent après. Il ne faut pas bafouer cette opportunité. Il ne faut pas bafouer l'opportunité où les gens viennent vers vous, ils s'intéressent à vous, ils veulent passer du temps avec vous. Il ne faut pas bafouer ça. D'accord ? Il faut justement prendre le temps de faire votre choix. Ah oui, hein, si vous ne faites pas votre choix maintenant, croyez-moi, un moment viendra où le choix sera fait pour vous. C'est-à-dire, aujourd'hui, si vous êtes jeune, il y a beaucoup de gens qui vous courent après. Beaucoup de gens veulent passer du temps avec vous. Beaucoup de gens pensent, souhaitent vivre avec vous. Mais il arrivera un moment, que vous le vouliez ou pas, si on avait 10, 15 ou 18, il y en aura désormais 3 ou 2. Toutes les semaines, si pas tous les mois. Donc maintenant, s'il y a des gens intéressants qui veulent de vous, qui veulent faire partie de votre vie, c'est maintenant qu'il faut en profiter. Mon téléphone est où? Mon autre téléphone. C'est maintenant qu'il faut en profiter. Donc maintenant, vous avez la chance de faire votre choix, de choisir. Choisissez bien.
Ah, vous avez le choix, il y a des gens qui vous courent après, des gens qui veulent de vous. C'est maintenant qu'il faut choisir. Il faut arrêter de faire trop des chichis. Vous faites trop des chichis pendant trop longtemps, à un moment donné, vous allez épouser un aventurier. On en connaît un de ces cas, vous aussi d'ailleurs. Ah, il y a une fille, enfin, je vais vous donner un exemple. Il y avait des médecins, des ingénieurs qui voulaient d'elle. Mais bon, elle venait d'une belle famille. Elle était jolie, ils avaient les opportunités de la vie. Elle ne se sentait pas pressée de... Voilà. Elle a renvoyé tant de personnes, des avocats, des tout ça là. Mais il est arrivé à un moment donné, elle a épousé un aventurier parce que l'âge a avancé. En ce moment-là, elle n'a pas pu faire le choix comme elle le faisait dans le passé. Ah oui, et ça arrive très souvent. Je ne suis pas en train de vous presser à accepter à faire ce que vous ne voulez pas faire ou à vous mettre avec une personne qui ne vaut pas votre temps. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis qu'il faut profiter du moment parce que le moment-là, ça passe. Un homme peut se marier à 16, 60 ans, 65 ans, il n'y a pas de souci. Du moment qu'il y a du fou, enfin, vous savez, ça passe. Chez les femmes, ce n'est pas tout à fait la même chose. On est égal, mais bon, on est égal de manière inégale. Il faut profiter du moment. Quand la vie vous sourit, il faut profiter. Quand vous êtes joli, les gens vous courent après, il faut profiter. Quand tout le monde veut de vous, il faut profiter. Il ne faut pas dire, bah, moi je suis indépendant. Écoutez, si votre objectif final est de vous marier et de faire des enfants, eh ben, ne serait-il pas génial d'en faire avec une personne digne de vous, une personne quand même de votre choix, même s'il n'est pas l'ultime, voilà. La réalité, celle-ci. Tout le monde veut d'un Will Smith ou un Jay-Z et tout ça. La vérité est que très peu de personnes reçoivent des Will Smith et des Jay-Z dans leur vie. La plupart des gens reçoivent des gens plus ou moins adéquats. Donc, si vous trouvez une personne qui est OK, des gens qui sont OK, il faut vous faire du bien avec monsieur OK. Il ne faut pas chercher un monsieur super excellent, enfin un Michael Jackson. Ce n'est peut-être pas ce qu'il vous faut. Voilà, j'espère qu'on a compris. L'objectif n'est pas de rabaisser la femme ou de dire que voilà, je dois faire mes choix. Bon, d'accord, vous allez faire votre choix, mais à quelle heure? À quel moment de votre vie? Bon, merci infiniment. J'espère vous parler encore très bientôt. On va aller s'amuser. Regardez autour de vous. Regarde-moi ça. Ah, regardez autour de vous. C'est beau, c'est génial. C'est la vie. La vie, on n'a que voilà, une seule opportunité, une seule chance. Il faut en profiter, il faut se faire du bien. On est là pour se faire du bien. On va manger, on va boire, on va rire. Puis voilà, notre moment arrivé, on va mourir, quoi. Bon, on va tous mourir, hein. On va tous mourir. C'est la finalité.